Attention, all proud warriors. Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities and, of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. To maintain safety here, in Canton City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Canton City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol. Yo tout le monde, on est aujourd'hui donc sur Dragon Ball Xenoverse 2 pour une petite vidéo découverte. Alors je vais rien vous faire découvrir, hein. Ça sert à rien de présenter Dragon Ball et de présenter Xenoverse, ça sera plus pour moi de découvrir le jeu. Puisque le jeu donc est en bêta ouverte sur le PS Store, il est en bêta fermé. Il sort fin octobre je crois. On a eu la petite intro complètement mal synchronisée avec les voix en plus anglaises, même pas japonaises, c'est un affront total avec les mouvements des bouches, parce qu'il n'y a vraiment pas de lèvres, qui n'étaient pas du tout synchronisées. Bref, la synchro labiale, c'est ça. Une petite intro qui est sympa autrement. Et donc du coup, je vais découvrir plutôt Xenoverse 2. J'avais pas joué au premier. J'avais joué déjà un vieux jeu de Dragon Ball, c'était Raging Blast sur Xbox que j'avais joué. Mais j'ai jamais vraiment joué au jeu Dragon Ball de mon côté. C'est sympa, mais je pense qu'ils se ressemblent tous. Mais pour moi, je pense sincèrement qu'il faudrait qu'ils fassent un jeu Dragon Ball Ultime, voilà, Xenoverse par exemple, où en fait il y aurait des mises à jour régulières, gratos ou pas, bon, bien sûr j'aimerais bien que ce soit gratos, hein, mais ça c'est une autre question, où en fait on nous ajoute régulièrement les nouveaux personnages, des nouveaux moves, des nouvelles maps, des nouveaux scénarios, quitte à ce que les mises à jour soient importantes, mais en tout cas ils nous ressortent un Xenoverse 2. Je veux dire, par rapport au premier, il y a quoi comme différence? Peut-être quelques animations supplémentaires, quelques maps supplémentaires. Bien sûr, c'est des personnages supplémentaires, une nouvelle histoire, mais ça, tout ça, c'est pas un nouveau moteur graphique. Ça demande pas de refaire tout un jeu. Je veux dire, ça ressemble beaucoup au premier. Et il y a beaucoup de jeux comme ça qui, voilà, pour moi, mériteraient justement de faire un gros jeu Dragon Ball, parce qu'en plus, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc, on fait vite de s'y perdre. Et voilà, faire vraiment un jeu de Dragon Ball récent, avec des techniques, je dirais, de nos capacités récentes de technologie, qui serait régulièrement mis à jour, avec du nouveau contenu, voilà, des skins en plus, par exemple, des nouveaux personnages. Prenez un peu le modèle de Witcher 3, où ils avaient voilà, rajouté quelques quêtes secondaires, quelques skins aussi, je sais plus qu'ils avaient ouais, quelques missions en plus, enfin, je sais plus exactement ce que c'était le contenu total. Mais voilà, c'était gratuit quoi, ça a rajouté du jeu au jeu, lol. Et c'était pas voilà, des trucs payants et encore moins un tout nouveau jeu, comme là peut-être Xenoverse. Bref, c'est ma vision de voir les choses, qui n'est pas propre à tous ceux qui veulent se faire du fric, hein, clairement. C'est pas grave, là c'est une démo gratos, hein, et ça va permettre de jouer avec Xenoverse, ça c'est déjà bien. Bien sûr Dragon Ball je connais, hein. Enfin, je veux dire, je suis un grand fan de Dragon Ball, j'ai tout vu,
clairement, je suis un grand fan de Dragon Ball. Pour autant, Dragon Ball Super, j'accroche pas du tout. J'ai regardé peut-être les 20 premiers épisodes, j'avais suivi ça, puis après j'ai complètement décroché. Là, récemment, ça s'est atteint un petit peu plus... surtout que le début, c'était ce que j'avais déjà vu avec l'arc Fukatsu no F, plus... enfin, Battle of Gods, plutôt, et ensuite Fukatsu no F. Donc c'est vrai que c'était chiant à regarder. Parce que c'était la même chose avec des rajouts, mais les rajouts, c'était un peu de la merde, faut le dire. C'était plus des fillers. Là, c'est un peu plus intéressant, voilà, avec le retour de Trunks du futur, avec Black Goku, etc., Xamazu. Mais je lis uniquement les résumés parce que ça me fait chier de regarder. Je trouve que l'animation c'est pas top, les dessins ça perd un peu de son charme par rapport à ce qu'il y a avant. Après voilà, il y a le débat éternel, c'était mieux avant, etc. C'est même pas là-dessus que je fonde ma critique, quoi. C'est juste que des trucs que j'aime pas trop, les technologies actuelles sont pas forcément meilleures finalement que celles qu'il y avait avant. Et je trouve qu'elles sont mal utilisées en fait. Des fois ça peut faire le taf, mais des fois ça le fait pas du tout. Bref. Et du coup, Dragon Ball a quand même le vent en poupe, hein. C'est quand même, comme on dit, une poule aux œufs d'or, parce que le truc, c'est quoi, ça a plus de 20 ans maintenant, enfin, non, je dis pas 30 ans peut-être, par rapport au manga, et c'est encore d'actualité, c'est encore des jeux, des séries, ça marche bien, malgré toute l'effervescence, positive ou négative derrière la série, ça a relancé pas mal des fans de la première heure, plus des nouveaux. Il y a tous les otaku et autres fans de manga et d'anime ne peuvent pas passer vraiment à côté. Donc, du coup, ils te ressortent un jeu dessus, là-dessus. Ils ont presque tout raison, les mecs, en un sens. Avant de commencer, on va regarder un peu les options. Il me semble que je vais paramétrer pendant le doublage japonais. Voilà, ça, on est d'accord. Et on va démarrer une partie. Donc, je suppose qu'il y aura un tuto, etc., etc. Bien sûr, donc, qui dit PS4 dit que j'ai mon setup Maniac Craft. Je retente un petit peu le truc. J'avais été satisfait de ce que j'avais fait sur Mafia. Et là, vraiment, Xenoverse, ouais, je voulais vraiment le tester. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir créer son perso? Ça, par contre, c'est cool. Franchement, le Xenoverse, le premier, et je pense que je me le prendrais de manière totale, enfin, voilà, en version complète, sur Xbox ou bref, sur peu importe quoi. Oui, ils m'en foutent ça. Mais je pense que je le prendrai parce que je trouve que voilà, le concept est vachement bien. Voilà, vous créez votre perso, vous le personnalisez, vous le faites combattre contre d'autres personnes en ligne. Il y a une histoire principale et tout. Enfin, c'est vraiment sympa par rapport à ça. Alors, on va créer notre perso. Alors, on a la race de Freezer, le Namek, Terrien, les Saiyajin et les Majin. Moi, pour vous tout dire, mon personnage préféré dans Dragon Ball, je vais en profiter à propos de Dragon Ball, c'était Piccolo. Notamment dans Dragon Ball, dans DBZ surtout. J'aimais beaucoup le personnage de Piccolo, même si là je trouve qu'il est devenu complètement ridicule. Après, bien sûr, il y a Vegeta, bon, Goku, bien évidemment, hein, mais je les aime bien tous, de manière générale. On va créer un Terrien, on va se la jouer sobre. Apparence. Morphologie, quelqu'un d'athlétique, alors on va voir les doigts des cheveux. C'est bien sûr, alors on a tous les types de cheveux vraiment très sympas. Ça j'aime bien, ça me ressemblerait presque. Parce que c'est fidèle. La coupe de Trunks. Moi j'aime bien les cheveux en bataille comme ça, ça c'est Gohan. Ouais, pas mal. J'aime bien les cheveux en bataille, mais là ça va vraiment. Oula, purée le truc, loul. Ça c'est les gangsters ça. Ça c'est le présentateur, je crois qu'il s'appelle le truc du Tekishi Budokai. Sympa, un truc complètement... Ok, alors ça c'est pas une coupe de cheveux les mecs, c'est un chapeau. ouais, bon, on va prendre celle-là. Ou les yeux, lol, ces yeux-là. Excellent. Alors ça fait pas mal, du coup ça fait des expressions. Ça c'est classique, un peu plus petit. Là, un peu défoncé, ah, ça c'est pas mal aussi, ça c'est des méchants, encore plus méchant. Ça c'est Bulma-san. Ouais, ça c'est méchant aussi, ça. Ça c'est pas mal. Excellent, ouais. Ça, ouais. Ça c'est excellent aussi. Il est juste deux points, quoi. Ça c'est Mister Popo, ça. C'est cool, bon, on va prendre les classiques. Franchement, là, je vais faire un vanilla. Vraiment faire un vanilla, mâchoire, ouais, oreille. Quitte à ce que de mon côté.
En plus, ça par contre, c'est dommage, c'est que du coup, la bêta ouverte, elle est que temporaire. C'est pour ça que du coup, j'en profite de faire une vidéo assez rapidement pour pouvoir, notamment faire une vidéo découverte, c'est ça que je voulais le faire. Et surtout après y jouer de mon côté de manière, je dirais un peu plus personnelle, mais vu que c'est une bêta qui sera que temporaire, c'est un peu chier quoi. C'est un peu chier quoi, parce que j'en ai aimé y revenir autant de fois que je le voulais. Alors, quelle couleur on va lui faire? Bleu, j'aime bien. Ouais, ça c'est pas mal. Je vais passer la moitié de la vidéo, si ce n'est plus, sur juste faire mon personnage. Mais bon, ça c'est tout le monde le fait. Ça c'est pas très cool, on peut faire la tenue. Je crois que la tenue elle est assez sobre. Ah, c'est vrai que la tenue des terriens elle est comme ça, c'est vrai que celle des Saiyans elle est un peu plus sympa, même celle des Namek, bon pareil, on va faire. Une couleur du haut. Ça va être assez assorti. La ceinture. Ton blanc. Couleur des mains, avec tac, couleur des pieds, ouais. Hop, nom et voix. Alors je vais mettre mon casque pour écouter un peu les voix. Ouais. C'est quoi ça? Celle-là. Et le nom. Qu'est-ce que je vais apprendre? Est-ce que je mets maniaque? Non, c'est pas pour lui. Bon, alors, peut-être maniaque et puis master. Là, j'avoue, j'ai pas d'idée. Ok. Confirmé. Allez, bon. Quel est le style de combat? Mon truc de sa proximité, je vais les exploser à distance, proche ou loin, je suis équilibré. Bon, ouais. Je suis des deux bords sexuels. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Time Patroller. Ah, et puis même ce côté, voilà, patrouilleur du temps, je trouve que l'idée est sympa. Le concept de base de Xenoverse est intéressant justement pour justifier le jeu, quoi. C'est pas juste un jeu d'arcade où vous choisissez votre perso, là, vous devez en créer un. Et le pitch de base, voilà, le côté patrouilleur du temps, je le trouve bien. Je le trouve intéressant. Alors. Un petit peu d'histoire. Avec le scooter. It's over 9000! Oh! Videz-le! Great Saiyaman! Ah, mais c'est quoi ça? C'est pas con, c'est du régal ça. Et même côté graphiquement, je trouve ça bien, c'est très animé, donc ça demande pas forcément beaucoup de ressources. Graphiquement parlant sur PC. Voilà, je suis sur console, je m'en fous, mais. Je sais pas si c'est du self-shading, je sais pas si ça. Je dis peut-être de la merde. Par contre, on s'en fout un petit peu des dialogues, hein, clairement. Mais voilà, ça fait l'effet quoi. Ça fait le taf, hein, clairement. Donc ça reprend pas mal l'animé. Ça là-dessus c'est cool. Bla 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 bla. On s'en fout, on veut juste faire des combats. Allez, je veux jouer. Voilà, passé clairement. Désolé, mais c'est vraiment pas là-dessus que moi je jouais tout simplement quoi. Et vous montrer et découvrir justement le gameplay, parce que là on s'en fout un peu d'histoire clairement. Chargement de l'infini. J'en profite d'ailleurs pour couper la vidéo. Voilà, on est reparti. 15 minutes sur la PS Court. Allez, allez. Je vais peut-être faire peut-être un ou deux combats, hein, pas forcément plus. J'aime bien voir un peu. En 852, alors moi je suis perdu dans la chronologie de Dragon Ball, quand il remonte le temps, c'est un awak total. C'est... Oh, le range.
puis toutes les petites références, ça peut être sympa, quoi. Je veux dire, c'est comme ça que vous arrivez à convaincre les fans. Ok, alors ça, c'est le hub du jeu, la ville justement centrale. Les Time Patroller. Salut! Yo! Ouais, c'est vraiment comme le premier, quoi. J'avais vu un peu le premier. Ça change pas par rapport à ça. On s'en fout, allez, je passe ça. Ils vont nous faire un dialogue. Allez! Oui, bienvenue! Mes deux petites! Omenena! Kamenasai! Ça fait bien que je les vois. Allez! Je veux juste jouer. Et puis ouais, ça fait plus de 16 minutes de vidéo. On n'a même pas encore vu le gameplay. C'est fou ça quand même! Mon dieu. C'est temps de chargement, toi. Par contre, oui, c'est un peu long, là. C'est de l'or parce qu'il nous... Il charge des fonctionnalités en ligne, c'est possible. Rien encore. Bla 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 bla. Ah oui, ok. Sprint du chien, de façon sauter, parler, appeler le véhicule. Appeler le véhicule. Ok, je pense que j'aurais dû tout lire, mais voilà, c'est pas grave. On va venir de ouvrir la carte, il va faire une chance. Événement d'histoire, donc c'est derrière moi. D'accord. As-tu la félicitation? Bien, allons-y, c'est jamais qu'il ne s'est plus volé derrière nous. Oui, enfin, on peut courir. On peut sauter. Ok, on peut dire bonjour, merci. Faire des gestes. Ok, on peut faire caca. Par contre, le chat dégage. C'était quoi pour appeler la voiture? C'était carré. Parce qu'on n'a pas du coup de fonctionnalité. Ça, c'est des gens? Des vrais gens ou c'est juste des. En général, les gens sont. Qui jouent ont des pseudos qui appuient et tout. Il faut que j'aille là-bas. Ah ok, on peut carrément matière. Ok, le mec s'appelle Tufu. Salut, comment vas-tu? Un problème, tu cherches le vieux Kaioshin, il marchait le long de cette rue il y a peu. Je veux faire des combats. C'est toi là? Non, pas ça. Konnichiwa. Konnichiwa. Je sais même pas ce que je suis en train de faire, mais je veux juste faire un combat. Entraîneur, événement d'entraînement. J'ai besoin de lait. Mais à tous les coups, il va falloir que je fasse plein de choses avant de faire un combat, purée. Par contre, c'est pourri, quoi. Toi, là. Et attends, j'avais un recul de la direction, non? On était sûr, j'avais un là. Tama. Putain, on peut chercher le vieux Kaioshin, quoi, mais... bizarre. Pourquoi faut monter tout là-haut? Merde. Il y a une touche pour voler. J'aurais dû regarder avant, n'est-ce pas? Bon, c'est pas grave, hein. Autrement c'est stylé, ouais, on voit les... Oh, il y a Chen, oh, pas mal, ça va. C'est vraiment lui ou c'est juste un petit de l'ouvre? Allez, Kaioshin, là-bas. Le vieux sénile. Nadia. Tu es en retard, moi, tu tues pendant tout ce temps. Ah, il dit que c'est de ma faute. Blablabla. Hé, attends un peu. Allez-y. Non, je suis parti en mission temporelle. J'espère que tu es prêt à te battre. Oui, je sais me battre. Je connais le kung-fu. Enfin non, en vrai non, mais je m'en fiche. Je fais style que je le sais.
sinon on va jamais y arriver. Allez! Allez! Ah, misère. Oh, on a encore un temps de chargement de l'infini. Si, c'est bon. Oui, en 761. Ah oui, carrément. Alors, c'est quand ça? Oh, bah d'accord. Ah, je... ah ça d'ailleurs, j'aime beaucoup cette période-là. De... C'est plus avec des blancs. Oh ok, alors je vais mettre mon casque d'oreille pour me mettre dans l'ambiance. Ah ouais, ça rend bien. Hein. Sacré dessus! Bacane comme ça, quel est ce maléfice? Mais. Kuto-san! Piccolo! Piccolo! Ah là là, les voix japonaises. Non. Ta ta ta. Here's the time patroller. Ouais, je pète pas, ouais, je pète pas trop la classe. Hein. J'ai l'air un peu ridicule. Lol. Excellent. Ta ta ta. Bon, les animations là-dessus, c'est un peu limite. Hein. Ok, Raditz, salut deux. En plus, soit Goku, je le gère tout seul. Laissez passer la police des temps. Baraditz, ok, bon, faut juste gagner, quoi. Je vais aller vite. Ok. Yeah, c'est parti. Go, go, go. Ok. Ok, ça c'est pour accélérer. Crash du moteur. Arrêtez de parler! Alors, je suis pas du tout un bon joueur, hein, mais en vrai, là. Ok, ça c'est pour se protéger, ok. Ah, ça s'est changé de vue, ok. Ok. Ok, ça c'est pour les bulles de magie. Ok, ça c'est tous les... Salut. Bon, il a fait l'air très trop le rabbit, ça. En fait, c'est simple, hein. Vous appuyez sur tous les boutons et... Comme tous les jeux de combat, quoi. Aïe. Oh. J'aimerais bien faire un... Crash du météore, là. Ah, voilà. Ouf! Image rémanente. Mais c'est de la merde, ça. Bon, on peut avoir une barre de... Ah oui, c'était la barre de qui, je pense, que je charge. Allez, je vais terminer. Il se défend même pas, hein. Enfin, on peut venir, voilà. Ouah! Victoire! Bah, apparemment, il faut vraiment que je m'y fasse, hein, parce que là, j'appuie sur tous les boutons. Rang S. C'est bon. Ok. Nani. Bon, par contre, on est d'accord que toutes les interventions là, des patrouilleurs du temps, ça fait un gros bordel scénaristique. Hein. Il faut se le dire, hein, le Trunks du futur dans DBZ, c'est un gros bordel scénaristique. Enfin, ça crée deux univers par... enfin, voilà, deux univers différents. Hein. Dès lors que Trunks retourne dans le passé... Ouh, il regarde de loin. Ah, je me souviens plus de leur nom, là. Je les ai sur le bout de la langue, il y a... c'est pas Thalès?
Le Saiyan et le Namek, c'est Slug. Le Namek, c'est Slug. Et le Saiyan, je sais plus, il y a Thales. Il me semble. Bon, ça, c'est dans les OAV, ça. Il y a vraiment qui sont sympas dans les OAV. Blablabla. Ton entrée. Après aussi voilà, c'est un jeu qui devrait être joué avec notre perso, notre avatar, mais on peut jouer aussi avec les héros et ça c'est cool quoi. Si on veut pas vraiment se la jouer, voilà, si on veut pas jouer l'histoire, blablabla, bon j'aimerais refaire un autre, deuxième combat. Mais genre en V1 quoi, comme ça. Blablabla, on s'en fout, allez. Le désintérêt total. On aura fait au moins un combat, c'est déjà ça de prime, j'ai envie de dire. Du coup, ouais, je crois pas qu'il y ait de grands changements au niveau gameplay sur dans les combats par rapport au premier, par rapport à Xenoverse. S'il y en a qui ont joué et qui ont joué au premier et qui voient des changements, dites-le moi, hein, mais dans l'idée, hein, je pense pas. Hein. Ok. Encore une cinématique, on la passe, hein, sinon on va jamais y arriver, désolé, hein, du coup on a plus de temps de chargement qu'autre chose. Aéro de Cotton City, remarque les joueurs qui ont transféré données depuis Dragon Ball Xenoverse. Oui, je m'en fous de ça. Qu'est-ce que je dois faire là? Sélection du héros. Ah, lui c'était dans le premier, je crois. Ah, Kai. Fox. Reprendre le Namek. Oui. Mais je m'en fous de ça. Oui, voilà, c'est le héros de Cotton City, fais pas chier. Je veux jouer. Ah, misère. Ah, furie. Vous prenez des jeux en 10 secondes, vous êtes lâché et puis vous savez pas quoi faire. Puis là, vous avez d'autres jeux et vous mettez des cinématiques pendant une demi-heure. Vous faites 5 minutes, si c'était moins de gameplay. Oh alors, allez. D'accord, c'était juste pour ça. Vous m'avez fait juste chier pour ça. Tu peux monter un véhicule. Ah, cool ça. Utilise carré pour monter à bord d'un véhicule. Ok. Oh, stylé, un skateboard. Wouhou! Génial. Du coup, on doit aller où? On a plusieurs endroits. Alors, événement de quête, événement de fin et temporel, mon entraînement. Événement d'entraînement, plutôt. Événement d'entraînement, c'est bien. On va aller en faire un. Celui là-bas, en bas à droite. Oh. Il va falloir savoir s'arrêter au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est? Là. Quoi? Ça va être sympa. Salut. Non, peut-être par là, il faudrait trouver la réception, blablabla. C'est le hall des quêtes, blablabla. Faisais une quête. Oui. Être policier du temps. Maintenant, file, bonne chance. Ok. Alors moi, du coup, je vais couper la... Enfin, je vais enregistrer ma partie, vous ne verrez rien, bien évidemment. Voilà, on est de retour pour jouer un mauvais tour. Ok, ah, on peut peut-être sélectionner des persos d'animés. Alors, pas Yamcha, faut pas déconner, Raditz. On a Thales, c'était Thales. Ah, Jaco. Tellement ridicule. N'a pas Tenshinhan. Oui, j'aimais beaucoup aussi Tenshinhan dans Mario Ball Z. Bien qu'il soit un petit peu faible, il faut le dire. Piccolo. Sangoku da Sangoku GT. Kulin San. Ole Sabayman. Vegeta. Le commandant Gaming. Ah, un différent type. Ah, sympa, ils font pas avoir les. Ah, pour certains, pas plus. On va prendre Goku, hein. Hop. Voilà Goku. Voilà Goku. Yosh, voilà Goku. Et on choisit notre adversaire, c'est ça? Bah Vegeta, non? Ah non, c'est une équipe qu'on fait. Ah merde, bon bah Piccolo.
classique, on va dire. Quoi que j'aurais pu prendre Gohan. Yosh, voilà Goku. Être policier du temps. On termine l'épreuve des vieux Kaioshin. Oh non, ça va être des vieux tutos de merde. Yoshi yoshi, washi ga time patrol taiin toshite no kokoron gamae wo michiri oshiete yaru zoi. Dewa, jihon kara hajimeru zoi. Mazu wa tsukankan wo tsukatte miru nja. Item ga takusan oshite oru no ga mieru hazu ja. Soitsu wo hirotte mi. Appuie sur R, faisait des détecteurs, permet de voir les niveaux des puissances. Ah, pas mal. Je t'approche d'un endroit. Ok. Oh, pas mal. Oh, sympa ça. Du coup, on a le scooter qui nous met. Archipel. Ok, j'aime bien l'idée. Zut, ils ont fait pour descendre. Oui. Oh, faut pas danser les. Ok, il faut appuyer sur le. Ok, c'est pas intuitif. Là. Matériaux. Youpi. Ta-na-na-na. Salut. Il y avait là-bas, je crois. Il y a pas là un truc? Là. Et c'est de la merde, ça. Je veux faire un truc d'intéressant. Je veux faire des combats, moi. Retour à Cotton City, oui. Désolé, hein. Peut-être que ce que je ferai, c'est, si j'ai le temps, parce que vu que la bêta voilà, est limitée, que j'en ferai une autre vidéo. De combat et du coup enfin voilà j'aurais joué de mon côté pour passer tous les trucs chiants de la bêta et du coup faire des vidéos de combat je sais pas bon ça sera un peu chier quand même de vous faire qu'une seule vidéo là dessus et d'avoir eu que 5 minutes de combat moi qui tapais sur tous les boutons contre un ennemi qui se défendait même pas quoi mais du coup je sais pas. Je ne sais pas. Quête parallèle hors ligne. Quête parallèle hors ligne. Je m'en fous. Je voudrais un burger. Guide de voyage, non. Quête parallèle en ligne. Je m'en fous aussi, je veux juste faire des combats. C'est fou cette histoire. Puis on va se balader un petit peu, puis on va voir ce que ça nous propose. Faire du skate là-dessus là. Je dis que c'est un tremplin. Oh oui, si on peut y aller, loul. Bonne commerciale, mais je m'en fous. Vêtements. Il y a des pistons. Garde. Wow. On va explorer un petit peu une terre. À faire. Non, pas combattre les autres PNJ là qu'on voit. Genre si je vais voir un peu là-bas là. Yo ah. Comment on fait pour vous combattre? Non, on peut pas visiblement. L'affichage. Quête à Royal, mais je m'en balec. Royalement. Bon, il y a l'autre truc là-bas, on va aller le voir, c'est vrai qu'il n'a pas fait ça. Peut-être que. Un combat, je sais pas. Attention, je suis devant. Hop. C'est assez grand. Speed limit. Ok. Oh. Ok, mais je m'en fous. Toi là, qu'est-ce que tu veux là?
Bye. On a fait une mission critique. Oh, un combat. Allez, oui, allez, parfait, ça serait parfait ça. Yes, Maniac contre Zanoud dans le ciel. Parfait, c'est ce que je voulais en fait. Bon, on va faire ça. Du coup, ça sera bon, je pense, pour ma vidéo découverte. Elle est assez longue, hein, mais bon. La musique qui va bien. Ah, voilà, là on est tranquille là. Oh, c'est stylé. Merde. Crash du météore, non? Merde. C'est attaque de Vegeta, ça. Ouais, je remplisse mon ki, enfin des petites barres de ki, en fait. Voilà, boum. Aïe, aïe, aïe. Oh, la pirouette. Pas beaucoup de coups, pas de combo du moins. Coup de vie, moi. Ouah, oh, j'ai la vie, j'ai l'air tout à l'heure. Ah, il fout tout dans la gueule. Ouah. Ah. Oui. Du coup, je la vois plus. Ah oui, ok, ça c'est... Ah oui, d'accord, c'est pas changé de vue, c'est le lot. D'accord. Ok, je vois. Allez, je la termine. Je joue vraiment comme un sac. Bam. Victoire. Victoire totale. 2 minutes 01, quoi. C'était vraiment très très court. Sur les 40 minutes de vidéo que je vous aurais présenté, il y aura pas beaucoup de temps de combat. Ah là là. Bon, du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour jouer parce que j'ai autre chose à faire aussi. Et c'est ça en fait, c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant à vous montrer dès lors où je dois prendre de tout depuis le début, quoi. Donc tout ce qui est tuto, ce qui est cinématique, etc. etc. Je peux pas faire des combats à volonté, puis surtout que je sais pas jouer. Je ne maîtrise pas ce gameplay qui demande voilà, pas mal de temps, je dirais, d'adaptation. Raging Blast, je me souviens, hein, au début j'étais perdu, puis après ça s'est fait progressivement, donc là voilà, hein, je suis sûr que je m'y mettrai sans souci. Hein. Ta force n'est donc pas une invention, quel combat formidable! Il y a beaucoup de policiers du temps à Cotton City. Si tu vas les voir, ils pourront te proposer un combat. Les combats t'aident à acquérir de l'expérience nécessaire. Si tu gagnes, tu peux même obtenir quelque chose de spécial. Si tu veux parler à un maximum d'entre eux, ils continuent à t'entraîner dur à côté. J'ai obtenu une Dragon Ball. Genre comme As, quoi. Tu m'offres des Dragon Ball. C'est pas mal, ça. Ok. Ok, d'accord, je suis sur l'eau. On marche sur l'eau. Ah, vieux Kaioshin. Bon, on va s'arrêter. Oh, il y a Krillin là-bas. Oh, on va parler à Krillin. Salut, Krillin. Yo. Je vais faire des canons d'un ton maître. Ah oui, d'accord, c'est un truc de maître. Oh, le snob. Bon, on va s'arrêter là pour la démo de Dragon Ball Xenoverse 2 en bêta ouverte. Voilà, gratte pas la tête, on peut faire un petit au revoir, hein, je sais pas. Cri, local, cri. Oh, au revoir. Bonjour, merci, compris. Bon, ah, au revoir. Donc, je vous dis au revoir. Merde, je me suis trompé, je vais pas dire. Je vais faire les gestes, voilà. Un petit salut, voilà. Voilà, à la classe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et bah du coup, c'est bien, comme ça je peux vous montrer des téléphones qui équilibrent. Je peux vous montrer les trucs sur PS4, donc ça c'est cool. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut !